Bon matin tout le monde, on est le 10 septembre et il est 10h43 du matin. En fait, je suis réveillée depuis 9h parce que mon père m'a réveillée parce qu'il avait oublié il avait oublié que j'allais pour le meeting ce matin. Fait que c'est ça. Fait que bon matin, je suis en train de mettre un vlog d'hier en ligne. Et aussi, je bois mon café. Puis, dans 7 jours, à même date, pas à même date, mais à même journée, le dimanche prochain, c'est ma fête! Je vais avoir 36 ans. Ça va trop vite. Trop vite. Et demain, retour au travail. Ça me tente un peu moins. Mais faut bien recommencer à un moment donné. Il me semble que la semaine a été vraiment vite. On n'a pas fait beaucoup de choses. On n'a pas fait autant de choses que j'aurais aimé. Il n'a pas fait beau. Ouais. C'est comme ça. Fait que là, je bois mon café, je suis en pyjama et je vais prendre mes messages. Puis tout le kit, mes courriels et tout. Fait que nous, on se reparle plus tard, à plus tard tout le monde. Re-salut! Alors, il est rendu midi 35 et je viens de me maquiller un petit peu. Je sais pas si vous voyez. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai utilisé. J'ai utilisé un blush, oui, un blush, sur la paupière mobile. Le petit genre de rose mauve, là. Fait que c'est de CoverGirl. Je l'aime vraiment beaucoup en blush, l'automne, mais là, ça me tentait de l'utiliser. Et dans le creux, ben, je suis allée avec un classique, la Studio Makeup, faite par Cynthia Duluth. Je sais pas si on la retrouve encore, par exemple, honnêtement. Je vais vous la montrer, là, elle est sale, c'est fou, là, comment elle est sale. Elle est creusée tellement que je l'aime. Alors, je suis allée avec le petit genre de brun, attends un petit peu, je vais le mettre comme ça, ça va aller mieux. Je suis allée avec un petit brun comme ça. Dans le creux, puis celui-là pour le reste. Fait que ça donne ça. Et comme crayon, exceptionnellement, je suis allée avec un crayon blanc. Ben, c'est un crayon double en bout, là. Et mascara, mon préf du moment, celui-là. Fait que c'est ça que j'ai utilisé. Et là, je m'apprête à me limer les ongles et à me mettre encore deux couches de ça. Parce que vraiment, ça fonctionne vraiment. J'ai vu vraiment une belle différence sur mes ongles. Et je me suis inscrite à Weight Watchers. Ouais. Pour 3 mois. J'ai décidé de prendre soin de ma santé. Fait que je me suis inscrite. À date, j'essaie de comprendre un peu l'application sur mon téléphone. Moi, je l'ai pris par téléphone. Ben, par. Je ne l'ai pas pris avec rencontre. Je l'ai pris vraiment juste. Ben, tu peux clavarder avec des spécialistes quand même, là. Même si vous l'utilisez juste sur le web. Moi, je l'ai utilisé juste sur le web et par application de téléphone. Et j'ai choisi 3 mois. Ça m'a coûté comme 56 $. Puis, c'est ça. Fait que c'est fun, là. J'ai scanné ce que j'ai déjeuné et tout le kit. Puis, à date, j'ai pris 2 points. Oui, 2 points. Sur 30. Fait que c'est quand même bien. Fait que voilà. Fait que là, je fais ça. Et on se reparle tantôt. Re-salut! Alors, il est rendu 1h30. On s'en va au Tigéan. Mais avant, je voulais vous montrer ce que je porte. Alors, j'ai une chemise à carreaux avec le dos ouvert, mais vous ne le verrez pas, le rose. Avec une camisole mauve parce que je ne trouvais pas la rose. Et des petits bas, mais des jeans de la marque Jordache. Et voilà! Et nous, on s'en va au Tigéan et on vous montre ce qu'on achète après. Salut! Alors, il est rendu 3h05 et on sort du Jean Coutu.
J'ai pas acheté grand chose, je suis quand même fière de moi. J'ai juste acheté deux pyjamas marque fleur comme ça, on n'avait pas de besoin. Mais j'ai pas pu résister honnêtement. Puis vraiment, j'en coutume quand même, là, je suis vraiment étonnée parce que leurs prix sont vraiment abordables, oui, parce qu'ils sont comme. Ils étaient 8,99 puis ils ont passé à comme 7,50. Fait que vraiment, ça vaut vraiment la peine. Puis j'ai acheté un petit ballon parce que, by the way, j'en ai acheté un au début de l'été. Puis je sais pas, il est où. Fait que je sais pas si elle l'a mangé. Je sais pas. Ici, il est en dessous c'était un petit peu gênant. Barbecue. Du barbecue. Barbecue. Excusez, s'il y a eu comme 4 personnes qui étaient là, ça m'a comme barré là. Qui me regardait bizarre. C'est elle fait quoi, hein? Elle parle dans son téléphone. Fait que c'est ça. Fait que je vous parle avec mon iPhone. Parce que finalement, j'ai fait le test, là. J'ai mis un vlog en ligne, puis j'ai fait le test. Fait que si je le mets comme ça, tout semble correct. Fait que c'est une bonne nouvelle. Fait que le chat est là. Fait que nous, on se reparle tantôt. À tantôt. Bonsoir, il est 6h41. On vient de revenir. Ouais. On vient de revenir, puis on n'a même pas été chercher Marie encore. On est revenu de nos commissions, puis on est revenu de François. Fait que c'est ça. Et devinez quoi? Il me reste 14 points Weight Watcher. Parce que j'ai bu une liqueur. Non, mais tu sais, juste là, c'est 10 points déjà en partant. Fait que, en tout cas, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Il en reste 14. Fait que moi, j'ai des légumes. Je vais vous montrer nos achats. En fait, on n'a rien acheté de vraiment palpitant parce qu'à chaque fois qu'on allait à une place, on ne trouvait pas ce qu'on cherchait. Fait que c'est-tu mieux de même? Ouais. On le sait pas. Hey, j'ai vraiment besoin de ça dans ma vie. Oui, c'est ça. Fait qu'on achète une housse à barbecue parce que la note a fait dur. En fait, elle va rendre l'âme sous peu. Puis ça fait quand même 2 ans qu'on l'avait. Puis on l'a acheté au Tic Géant. Fait que c'est sûr. Je ne sais même pas si c'est la même marque. On souhaite que ça fasse, sinon on va être obligé de la retourner. Et c'était la dernière qu'il y avait. Parce qu'on a fait en fin de semaine deux tics géants, puis il n'y en avait pas. Qu'est-ce qu'on a acheté aussi? On a acheté du papier collant. Ça a l'air que c'est dans ce sac-là. Au petit géant, je me suis acheté une paire de pantalons parce que je me cherchais une paire de pantalons noirs. Pas de zipper, pas rien parce que ça me tente de mettre des fois juste ça. Fait que j'en ai trouvé une au petit géant. Là, faut que je le mette du bon bord. Fait que ça ressemble à ça. C'est juste un pantalon noir bien simple avec le petit détail. Effet jeans là, mais tu sais vraiment pas de zipper. Puis au niveau des genoux, ben il y a comme un carré avec des coutures, fait que c'est vraiment simple. Puis ça c'était 20$ et j'ai pris large X large parce que c'est petit médium large X large, fait que on a comme pas le choix là. On n'a pas le choix de prendre la caisse séquente. On a acheté 3 paquets de paires de bas. Parce que Marc-Claude est comme moi, by the way, à part ses bas. C'est vrai qu'elle a des grands pieds. Non, oui, moi je prends mes bas tout le temps. Alors, j'ai pris ceux-là parce que j'ai trouvé cute. Et il est en spéciaux à 4$. Fait que c'est des petits bonhommes sourires, des cœurs. Puis l'autre modèle, je sais pas c'est quoi qu'il y a. Fait que des petits bas comme ça, tout ça. Je lui ai choisi un modèle avec des chats. Comme ça. C'était le moins magané. Fait qu'il y en a 3. Et c'était 5$.
Pierre Charles, lui, a choisi un paquet un petit peu plus masculin. Mais c'est pas grave. Fait que c'est juste des bas avec des oursons bleus, gris, rouge. Là, je sais pas. Oups. Je viens de les échapper. Un petit bas comme ça, là. Eux autres, il y en a plus. Par contre, il y en a 7 paires. Fait que. Pour le même prix, pour 5$. Là, on a un chat qui est là. On va essayer de l'enlever. Parce que c'est comme un petit peu tout. Et finalement, au petit géant, je me suis acheté une canne comme ça de. Comment ils disent là? De haricots mélangés. Je n'avais jamais acheté ça de ma vie, mais j'ai vu une salade au petit géant. Qui avait du thon à l'intérieur, puis moi j'adore le thon, puis il y avait ça à l'intérieur. Il écoute pas ce chat. Puis je me suis dit ça me reviendrait plus économique de la faire avec une canne que de acheter la canne avec le thon à 3$. Fait que c'est tout pour le tigre géant. Ça a été assez rapide. Et aux gens coutus, on a acheté un ballon, comme ça. Parce que j'en ai acheté un au début de l'été à Marflan. On sait pas c'est qui. Fait que. Bon, comment perdre un ballon? Aucune idée. Et j'ai acheté 2 pyjamas à Marflan. Puis là, je vais m'installer ici parce qu'il y a 2 chats. Puis c'est comme fatiguant un petit peu. Comme j'ai dit dans mon petit extrait en sortant du Jean Coutu, ils ont des beaux pyjamas vraiment, vraiment pas chers. Fait qu'il y en a un comme ça, à zipper. Mais lui, il a des pattes ouvertes ou fermées. Là, mais fermées, je suis pas sûre que ça va être bien, bien agréable de marcher avec ça. Ou il y a l'autre modèle que lui, j'ai vraiment... vraiment aimé beaucoup, c'est celui-ci avec la petite boucle comme ça, et ça venait avec, je vais la mettre, une bavette. J'avais déjà acheté à Marflan, je sais pas si c'était cette compagnie là, mais un petit cache-couche. Je pense qu'elle est même, ouais, même reversible, la bavette, fait que c'est super. Et c'est de la marque, je sais pas comment ça se dit. Et évidemment, c'est fait en Chine. Snug-a-bye. Ouais, c'est ça. Fait que, sauf qu'il n'y a pas de d'antidérapant. Mais bon. Ah, c'est la vie. Fait que, ça a été les achats qu'on a fait à date. Fait que, ça a été ça. Fait que là, je vais ranger un petit peu. Puis, on va se préparer tardivement à aller chercher Miss la tenante qui commence, ma mère tantôt, j'ai parlé un peu avec ma mère. Et elle commence à répéter les mots qu'on dit. Puis ma mère a dit quelque chose à mon père, puis elle a répété ça. Fait que, parce que ma mère a dit à mon père qu'il était cochon dans son mangeage de crème en glace. Puis ma fille a dit qu'il était cochon. Fait que... faut faire attention parce que là, elle dit à Snoopy en bas, en bas, en bas, en bas. Fait que là, elle commence à répéter beaucoup plus de mots. Fait que je suis contente parce que quand elle va voir son médecin... elle dira pas un mot. C'est ça, je m'en ai dit. Elle dira pas rien, mais bon. D'ailleurs, faut que je les appelle demain. Parce que faut que je me souvienne de ses camps. Je sais que c'est à la fin du mois, mais je me rappelle pas de la date. Fait que c'est ça. Fait que nous, on se reparle tantôt. Bonsoir. Il est rendu 9h30 et on est revenu d'aller chercher Marie-Flore. Allô. Elle est là. Allô. On vient d'aller la chercher de chez mes parents. Fait que là, elle flatte son chat. Je pense qu'elle s'est ennuyée. Oui, hein. Tu t'es ennuyée, Tinos? Oui, hein. Tu lui donnes un billet? Wouh! On est allé la chercher. Puis, là, ben, on va jouer un petit peu avec elle. Puis après ça, ben, on va la coucher.
En tout cas, du moins, on va essayer. Moi, je vais me préparer pour demain. Demain, retour au travail. Et oui, déjà. Tu fais? Ok, c'est ça. Fait que nous, on se revoit mercredi pour un autre vlog. Fait que je vous dis une belle début de semaine. Et nous, on se retrouve mercredi. Abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Si vous avez aimé mon vidéo, likez-le ou partagez-le pour faire connaître ma chaîne. Et nous, on se dit à très bientôt. Bye bye.